be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Yeah, 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 les amis. On regarde le match en direct, les amis. On regarde le match en direct. On y est, on y est. En finale, quand même. Moi, je parle. Mais franchement, aujourd'hui, normalement, je devais même faire cette vidéo. Mais je sens que ma voix est. Parce que je suis malade. Et en fait, c'est pour ça que je ne faisais pas de vidéo. Je suis malade. Et puis là, je suis en train de regarder le match de Lyon. Ils sont au pénalty et je sens qu'ils vont, ils vont gagner. Mais Rémi est très dangereux, comme vous avez vu, ce joueur-là est très 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 dangereux. Est-ce que s'il va le mettre? Alors, on va voir ensemble. Suspense. Moi, à mon avis, il va le mettre, Rémi. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit, Rémi? On n'a été pas très impact sur les ballons. Mais à un moment donné, le problème, c'est que Lyon, ils peuvent donner. Mettre de l'impact sur le jeu et jouer fort, mais le problème c'est qu'il ralentit et tout, et il se sent fait prendre de contre-attaque et tout. C'est malheureux, mais franchement, là j'ai hésité de faire cette vidéo, mais bon, là je me suis dit, bon ben voilà, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, et je sens que comme j'ai pris beaucoup de remèdes pour que ça aille mieux, exprès dans cette vidéo, je sens que Lyon va gagner. Bon, je sais pas. Attention, le but! Ouh, c'était chaud. Ah là, franchement là, attendez. Parce que là, j'étais en train de prendre mes médicaments. J'ai pris mes médicaments, ça c'est un médicament de merde en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez ce médicament, c'est de la merde. Enfin, je vous parle des médicaments, je sais même pas pourquoi je vous parle des médicaments. Puisque j'ai plus de voix. Tous mes collègues se sont foutus de moi parce que j'ai plus de voix et j'ai pris mon sirop pour essayer de faire la vidéo. Et là, je regarde le match tranquille. Il va le rater. Je pense que Lyon va gagner. Hein. Je pense que. Attention. Ouf. Voilà. Parce que là, en fait, je vous explique, j'étais hyper malade donc j'ai pas pu faire de vidéo, excusez-moi. Et puis, le son de ma voix, en fait, comme vous avez vu, je tousse beaucoup. Là je veux dormir, sans doute je vais beaucoup tousser. Et là je me suis dit, je vais faire une vidéo, j'ai hésité. Mais je pense que on m'entend bien. Je pense qu'on m'entend bien. Bon, je suis en train de regarder le match, mais pour moi je pense que Lyon va aller en finale et va être battu peut-être par Paris. Parce que Paris, la finale pour moi c'est Lyon PSG en Coupe de la Ligue. Et c'est le PSG qui va gagner, hein. C'est moi à moi. Tu ne vois pas d'autre chose. Bon, je regarde le match tranquille. Il va le mettre. C'est parfait. J'ai la voix qui commence à rayer là. Excusez-moi si ma voix elle est un peu bizarre. Hein, parce que, en fait là j'ai pris une tonne de médocs pour essayer d'aller bien. Mais franchement je suis hyper malade. C'est pour ça que j'ai un peu arrêté les vidéos. Je m'en excuse vraiment les amis. Mais bon, je fais mon retour progressivement. Tout doucement avec ce match là que je regarde, qu'on regarde en direct, quoi, les amis, on regarde ce match en direct. Lyon, bon, excusez-moi, ma voix, elle est rayée. Lyon, va ton fil. Il va le rater. Non. Il l'a touché. Ouf, c'était chaud, les amis, c'est chaud, le match, il est chaud. Mais je pense, franchement, que Lyon va aller en finale contre Paris. Et ben, Paris va gagner la finale de la Coupe de la Ligue pour moi, quoi. Excusez-moi, ma voix, elle est un peu rayée. Je ne sais pas si vous entendez, quand je parle, ma voix elle est rayée, il faut que je parle tout doucement, sinon vous m'entendrez pas. Et puis, là j'ai mis à fond le son, excusez-moi, puisque je suis le match en direct, c'est pour ça que vous voyez. Mais je pense que Lyon va être en finale, là où est-ce que je vous parle, c'est en direct, là je vous parle, c'est en direct. Je suis un peu excité, mais ça commence à aller mieux, vu tous les médocs que j'ai pris. Bon ben, la finale pour Lyon ou pas? La finale au Stade de France? On y croit les amis, on y croit! Il va pas le rater, j'espère. Il faut pas qu'il rate parce que c'est là-bas. Yeah, c'est parfait ça. Ça c'est parfait ça. Yes. Ah, quand même, ça fait longtemps que Lyon n'a pas été en finale. Ça y est, ma voix commence à partir en live. Parce qu'il faut que je me calme. Parce que vous allez m'entendre en voix de tafiole. Vous allez vous moquer de moi comme tout le monde se moque de moi au travail. Parce qu'il voit ma voix. Je ne sais pas si vous avez vu sur mes snaps. Vous avez vu sur mes snaps, ma voix elle est pas très top. Là je parle plus doucement. Et quand je parle trop,
et ben ça sera lui. Mais c'est bon, bienvenue en finale. Bon, qui le marque ou qui le rate, on s'en fout, de toute façon on l'a fait. Alors ah, je suis trop content de venir. Ah, là, aujourd'hui, c'est une bonne soirée quand même, de bonne qualité. Lyon est en finale de la Coupe de la Ligue. Là, je peux. Je sais pas quoi vous dire. Là, j'hésite à faire cette vidéo. Je la fais. Mais je dis, bon, si on perd, on perd. De toute façon, on a l'habitude de perdre. Mais ouais, pour une fois que Lyon a la chance, d'aller jouer la finale. Après. Je vous cache pas que Lyon va aller en finale, mais pour moi, on va pas gagner la finale. Je suis vraiment désolé, mais là... La dernière minute du temps réglementaire, les Lyonnais qui malgré tout s'imposent... Excusez-moi, je n'étais pas en train de chercher la télécommande, je suis excité. Je ne sais même plus où je l'ai mis. Attendez deux minutes, je cherche la télécommande. Il a pu les faire sortir... Voilà, franchement, là, ce match que vous avez vu, c'était un match de Coupe de la Ligue, tranquille, que je pensais pas faire cette vidéo aujourd'hui, puisque, ben, voilà, comme vous avez vu, le décor a changé par la suite de la prochaine vidéo, je vous expliquerai un peu, et j'ai la voix. Vous avez vu, je tousse et tout, mais non. Ça s'est un peu calmé, mais quand je dors, je tousse beaucoup. Quand je dors, je tousse, mais je fais que tousser. Là, quand je dors pas, ben, je tousse pas. Et voilà, je sentais pas trop Lyon aller en finale, mais... Parce que Lille est la bête noire de Lyon, et là, pour une fois, on a la chance. Lyon va être en finale. Pour une fois, on n'est pas des pingouins. Lyon n'est pas des pingouins, excusez-moi. On n'est pas des pingouins, on a fait gagner un match, mais... Et je vous cache pas de dire qu'on n'était pas les meilleurs. Hein. Lille aurait pu gagner le match. Mais bon, voilà. On a cette chance d'être en finale. Donc il faut quand même savourer, puisque c'est pas tout le temps que Lyon est en finale. On serait pas en finale de la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Mais au moins, la finale de la Coupe de la Ligue. Bah, après, franchement, je vous le cache pas que moi, j'aimerais vraiment que Lyon soit en finale même de la Coupe de France. S'ils sont en finale de la Coupe de France, pour moi, ça, je pense que l'année de Lyon, elle est très bien pour moi. Ça suffit. La Ligue des Champions, ça c'est pas pour Lyon, ça vous le savez très bien. Ils n'ont pas l'équipe pour aller en finale de la Ligue des Champions, non, on sait jamais, mais bon, il n'y a pas de on sait jamais. Je sais très bien que Lyon n'ira pas en finale de la Ligue des Champions. Mais bon, voilà, aujourd'hui je suis content, je savoure ce match. Ils ont joué pas très bien et pas plus mauvais, mais ils étaient un peu 50-50. Lyon a joué un peu bien, mais il y avait de l'envie. On sentait que Lyon voulait aller en finale. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu ce qui est bien, c'est que dans la première mi-temps et la fin de la première mi-temps, ils se sont vraiment battus les Lyonnais. Et puis on sentait qu'il y avait de l'envie, même avec ce but de Aouar, un but de très bonne qualité. Franchement, le but d'Aouar, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était un but de bonne qualité. Après, le gars il sort, et comme par hasard, quand Aouar il sort, il y a un but tout à fait... dans les dernières minutes, là où le match il est fini, tout de suite après, Lille, il marque un but. Moi, je commence à me dire, c'est fini, hein. Je disais, c'est fini, on va perdre. Après, je sais pas, je me suis dit, tiens, je vais y croire, je sais pas. Je sens qu'ils vont gagner au pénalty, je sais pas. Je me suis dit, ils vont gagner au pénalty. En plus, je vous le promets, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me suis dit, non, ils vont gagner au pénalty. Le gardien, je le connais pas, mais... J'entendais les commentaires comme quoi il disait qu'il avait arrêté, ce gardien il avait arrêté des buts et tout ça, des pénaltys, hein, excusez-moi, il avait arrêté des pénaltys et tout. Alors je commençais à gamberger, je me suis dit, David, fais la vidéo, je cherche pas à comprendre, fais la vidéo. Et puis, je sais pas pourquoi j'ai senti ça, mais voilà, ils ont gagné, voilà. Voilà. Et là, on dirait là, que je vous parle, j'étais en train de faire la vidéo et puis voilà. Donc voilà, Lyon est en finale de la Coupe de la Ligue, je pense que ça sera au Stade de France. Contre, à mon avis, je pense pas que ça soit contre n'importe quelle équipe, mais moi je pense que c'est Paris, je veux pas dire l'autre équipe, mais bon, puisque Paris va jouer un match, mais je vous cache pas que Paris va aller en finale. Hein, moi.
il va aller en finale de la Coupe de la Ligue et ce serait contre Lyon. Et après c'est aux Lyonnais de voir s'ils veulent gagner enfin une coupe. Puisque c'est possible. Puisque je vous rappelle que moi j'étais. Bon, c'est une façon de parler, mais j'étais quand même au stade la dernière fois que Lyon a battu Paris. Ils étaient à Lyon et les Parisiens étaient à Lyon et ils avaient perdu contre Lyon, les Parisiens. Donc je pense qu'on peut quand même y croire. Les Lyonnais peuvent battre Paris en finale. Mais bon, voilà, il ne faut pas trop rêver. Là, ce n'est pas la même équipe que l'année dernière, qui a 2-3 ans. Là, c'est une équipe vraiment très, très grosse. Donc moi, je pense que Paris va gagner la Coupe de la Ligue. Pour moi, hein. Après, on verra si jamais Lyon... Il gagne la Coupe de la Ligue, franchement, s'il gagne la Coupe de la Ligue, vous allez me voir dehors, je vais être content. Là, ça va être la fête internationale. Je pense que ce jour-là, je pense que je sortirai le champagne ou bien le champagne, je ne sais pas, mais franchement. Mais c'est un bon match aujourd'hui, j'ai savouré un bon petit match. Je ne sais pas si vous avez entendu un peu tout à l'heure ma voix, elle a commencé un peu à parler, elle a commencé un peu à partir ma voix. Mais là, j'essaie de parler doucement, parce que si je parle très très vite et très fort, j'ai la voix qui part en live et du coup on n'entend même plus et on n'entend même plus le son de ma voix. Alors je suis obligé de parler doucement. Je sais pas si ceux qui regardent mes snaps vous avez vu, j'ai un peu une voix de tafiole puisque voilà, j'ai pris un coup de froid en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis un petit chauffage devant moi puisque j'avais froid et puis j'ai dormi avec et je pense que l'air du chaud m'est rentré à la gorge, etc. Et puis, ça fait que ma voix, elle est pas comme d'habitude. J'ai une voix un peu bizarre. Je sais pas si vous l'entendez dans la vidéo. En tout cas, je fais que tousser. Là, ça fait un moment que je suis malade. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo. Et puis voilà. Moi, je vais arrêter la vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je commence à tousser. Je vais aller prendre mon sirop. Je n'ai plus beaucoup de sirop. Là, c'est la solitude. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et likez la vidéo si vous avez aimé. Quant à moi, je vais aller prendre mes petits bonbons mentos, mon petit sirop. Je tiens aussi à vous le dire que ce sirop est pas mal. Je tiens à vous dire que ce sirop-là est pas mal parce que grâce à ce sirop, j'arrive à quand même un peu dormir. Parce que bon, enfin, c'est pas pour faire de la pub ou quoi, je fais pas de pub. C'est juste pour vous dire ceux qui sont en train de tousser beaucoup. Mais, le problème, c'est que le sirop, il est petit quand même. Hein. Il est très, très petit. J'ai pris celui-là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, regardez. Et la marque en haut, que je vous cache. Là, je sais pas si le flou, il part. Ouais, il part. Voilà, je pense que vous voyez bien. Voilà, ce sirop-là, en fait, si vous voyez bien, ce sirop, en fait, il est bien, mais... il vous permet de bien dormir. Franchement, ce sirop, il vous permet de bien dormir, d'être soulagé un peu, il calme vraiment. Je conseille ce sirop à tous ceux qui toussent beaucoup. Quant à moi, je vais vous laisser, je vais aller dormir parce que demain je travaille. Et n'hésitez pas d'aller sur mes snaps et voir un peu les gâteaux que j'ai fait ou bien la cuisine que j'ai fait, etc. Et mes vidéos. Si vous avez vu dans mon snap, j'ai un peu la voix. Aiguille, la voix cassée, et c'est vraiment ça en fait. Parce que là ça se voit pas, mais j'ai vraiment la voix cassée. Ça, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et prenez bien soin de vous. Et enfin, Lyon a gagné. Enfin, Lyon va. Et en finale, pour une fois, Lyon, c'est une équipe qui est un peu bien. Je vous dis pas qu'on est les meilleurs, mais on a eu la chance. Lyon a eu la chance. On n'est pas des pingouins là ce soir. On va pouvoir dormir tranquille. Salut les amis.